Double particularité pour cette 14e édition de la Journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage. D'abord, le timing. La cérémonie présidée par le Premier ministre Édouard Philippe se déroule la veille du déconfinement, un moment spécial dans l'histoire de France. Ensuite, sa brièveté. C'est la manifestation officielle la plus courte depuis l'institution du 10 mai. En moins de 10 minutes, tout est bouclé. Mais au-delà de ces deux conséquences directes de la crise de Covid-19, la philosophie de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition demeure intacte. Je crois que c'est une affaire de dignité des hommes. Et plus les temps sont difficiles, plus il me paraît essentiel de rappeler l'indispensable dignité. Il faut aller plus loin parce que trop de gens oublient cette période sombre, ces périodes sombres de notre histoire. Et oui, par l'école, c'est la façon la plus sûre de pérenniser et d'intensifier ce travail de mémoire. Cette année, dans le Jardin du Luxembourg, c'est la mezzo-soprano Karine Dehaye, l'une des meilleures artistes lyriques françaises, qui a été choisie pour chanter la Marseillaise. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.